Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour ce nouveau live sur le jeu Red Dead Redemption. J'espère que vous allez bien, tout le monde a l'air ok sur le chat, c'est cool, j'espère que tout le monde m'entend bien, que le son est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire les missions là pour parce qu'on doit encore récupérer notre femme, on doit faire des missions pour l'autre mec là, au calme. Bah c'est cool. C'est plus le même cheval que j'ai. Il est crevé mon cheval ou quoi? Oh fait chier, il était beau. Je crois que c'est l'émission pour le camé ça que je vais faire là. Ouais on est ok mon pandounet, au calme purée, oh yeah. D'accord. Fox qui dit au calme quoi. Fox il est passé comme nous en mode Kaira. Kaira wesh la cité t'as vu. Ah je m'attendais pas. Best moment of the night, yo. Alors lui là, il a pris trop de méthamphétamine aussi. Hein. Je te dévergonde. Ah bah tu peux pas dire au calme et dévergonde à 10 secondes d'intervalle, ça marche pas. What makes these beings less human than us? Closer to beast on the continuum between animal and god. You know, I argued with Fortescue at Yale about this. It caused a minor scandal. But I shall be proven right, sir. I shall. Mark my words. I shall show them all what civilization is all about. The redskins and the nubs at Yale. Come, sir. I have a way to sate both our desires. I will bring you, Vanderlint and me, the evidence of savages reverting to type. T'es complètement starbé lui. J'aime bien comme il est superposé en fait, Marston à côté. Mais non, c'est lui mon cheval. T'es bon, je t'accompagne, allez. Hello, Professor. Mr. Marston. C'est parti, gars. Donc c'est pareil, hein. Autant on arrive à la fin de Dead Space, autant Red Dead Redemption, on commence à approcher de la fin aussi, hein. Tout doucement, mais on y approche. Peut-être qu'un jour on se fera une Dead Nightmare, bon pas tout de suite non plus, hein, parce que c'est pareil, hein, j'ai envie de jouer autre chose aussi. Mais une Dead Nightmare j'ai jamais fait, du coup sûrement qu'un jour je le ferai, et puis je pense que je le ferai en live parce que ça s'y presse plus quand même. Some of Vanderlyn's men have agreed to meet with Professor McDougal up at Bear Claw Cabin. Why the hell would they want to do that? I think they are interested to find out what conclusions a white man has reached on hundreds of years of culture and society from the comfort of his hotel room. Wonderful! Do you think I could ask for a skin sample from the soles of their feet? I don't think that's a good idea. De prélever des échantillons des pieds des gens. Il ressemble à Nigel de la jungle. C'est vrai, il y a un air. c'est vrai, il y a un air de Nigel. Je me disais, putain, il me fait penser à quelqu'un, mais c'est vrai, c'est Nigel en fait auquel il me faisait penser. J'arrivais pas à retrouver. Mais Nigel en mode camé, quoi. Booba, Booba, le petit ourson. My goodness, I'm still shaking. What a ferocious animal. That bear showed no signs. On va être plus féroce que lui là tout de suite. Hein. If we hadn't shot first, it most likely would have ignored us and moved on. All very well for you to say, but perhaps you have some kind of primal bond with these animals, but I, sir. Oh,
Ça pue la merde. Je crois qu'on va se faire prendre en guet-apens là. Ça sent bien. Ça pue grave là. Ça pue le guet-apens. Petite trap. Mais carrément quoi. Hello gentlemen. We come in peace. Those words mean nothing coming from people like you. Look at what you've done to us. Look at us. We live like animals, scrabbling in the dirt. Well, violence isn't the answer. Maybe you live in a different America than we. Men like Vanderlint will lead you to disaster. I think we've already experienced disaster. The likes which you could only imagine. Put your hands up! We come in peace! But do as he says, Marston. You call this a meeting? Give me your damn weaponry. This. T'aimes bien le black qui s'est pris pour un indien, tu vois? You shut your mouth, you treacherous snake! Holy shit, damn out of touch! Professor, get down! Non, mais c'est des mauvais tireurs, hein. Et voilà, je savais que ça pue la merde. C'est un nightmare! Do something quick! Just keep your head. Putain. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent sur le chat? Il n'avait même pas rechargé avant l'Indien. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est le Black qui l'avait même pas rechargé, quoi. Genre, le mec, ça y est, il voulait prendre le mec en embuscade avec un fusil à vide, tu sais. Après, ils se plaignent qu'ils vivent dans la misère, mais ils sont cons comme des balais, donc... Si le mec, il sait même pas tenir une arme, je veux dire... Je sais pas ce que ça doit donner au boulot, quoi. Alors attendez, je vois que ma webcam est un poil étroite quand même, ça me... A chaque fois, je sors du cadre. Alors je vais quand même la recadrer un tout petit peu. Voilà, ça sera un peu mieux quand même comme ça. Truc complètement fait à l'arrache. Le mec qui prépare ses lives. Ça se sent... Tu n'as pourtant pas la grosse tête. Grosse tête? Ah! D'accord, parce que je rentre pas dans le cadre, d'accord. Pas le cadre qui est trop petit. C'est ta tête qui est trop grosse. D'accord, ok. C'est bon, j'ai compris. Non mais il est plus petit que d'habitude en tout cas, voilà. C'est surtout ça que je voulais dire. I wish I could say the same. Blackwater. Civilization in all its glory, Mr. McDougal. And am I glad to be back. J'ai besoin d'une seringue. Non mais ça revigore pas la seringue, hein, mec. Ça te tue en fait. Attends, ça c'est mon cheval. Pour être sûr qu'il m'appartient, ce que je vais faire c'est que je vais le garer. Y a pas un parking à cheval là? Slow.
Parce que pour sauvegarder son cheval, il faut l'attacher quelque part. Putain, mais il n'y a rien pour attacher son cheval. Ah là, peut-être. Non, c'est un abribus. Alors qu'il n'y a pas de bus. Ok. Mais non, je veux pas le laisser dans l'allée. Bon, tant pis. Je ne sais pas où l'attacher. C'est pas grave. Safe and sound. Thank the Lord. Bien l'abribus. Je sais. C'est l'abri charrette. Get some rest, professor. L'abri diligence, voilà. La diligence de la ligne. De la ligne AB qui passe à 16h30. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, je regarde un peu les missions annexes. Qu'est-ce qu'il veut? Il y a mon voisin du dessus qui tambourine, d'accord. Une femme maltraitée. Donc je vais essayer de pas parler trop fort. Alors, on va aller faire une mission avec l'agent Ross. Ça sera bien, ça. Pourtant, je ne pensais pas parler spécialement fort, mais bon. Voilà. C'est pas grave. Alors. Ok. Il est trop tôt. C'est ce que je pensais. Bon, tant pis, on va quand même faire celle-là. Écoutez. Eh oui, un bon voisin est un voisin mort, comme on dit. Professeur. Oh, it's you, dear boy. Come in, and shut the door. What's going on? You leaving? Yes, sir. Yes, I am, sir. You know. You know the thing that is vital, without which scholarship cannot proceed, sir? No, I don't. Not having a bullet in your flipping neck, sir. I'm not cut out for this. No, not cut out for this at all. Nope. They're fucking savages! Savages! I think we all are. Not me, sir. I'm from Connecticut. I'm a professor at Yale. I write books. I do not deserve to die out here. Where's my tincture? C'est bon, il est calme. Il t'en manque. Il lui fallait sa dose. Great heavens above! Is that you, John? Hello, Dutch. I think that's what they call two for the price of one out here in this wonderful place. Maybe so, Dutch. You and your friend there, the professor. We're gonna kill the both of you. Why you wanna do a thing like that? I don't know. Sport, I guess. Fair enough. Why don't I come out there? We fight. Let the professor go and send your boys back to their families. Well, that sounds like a beautiful plan, John. Only problem is, my boys here, they already lost their families a long time ago. We aren't thieves, John. We're fighting for something a bit like you. Only we're fighting for an idea, not just for ourselves. That's beautiful, Dutch. You always were a fine speaker. I was. Now, would you kindly send that academic out here so we can show him what we really think about the art of anthropology? Please, sir, what are we going to do? I'm gonna hand you over to him and watch him tear you limb from limb. What? I'm just kidding. We're gonna run across the rooftops. Get you back to your ivory tower. Oh, thank you. Thank you, sir. Thank you. We're still here. Come on.
Good day, sir. Madam. Look here, sir. Madam. What is the meaning of this outrage? You two stay down and shut up. Ah, je mets mon micro bien près de la bouche, comme ça je suis pas obligé de parler fort. Ok. Vous me dites hein, si le son du jeu couvre ma voix. Hein. Pas de soucis, je baisserai un petit peu le son du jeu. Ah, salut Gorgul. Eh oui, tu arrives un peu tard pour Dead Space. Ça me fait plaisir que tu sois passé. Ah, le snipe, ok. Pas évident à gérer. Ok, il est derrière la cheminée. Ça picote. Juste pas quoi. D'accord, il en reste un là-bas. Ok. Et trois là-bas. Attendez, j'ai pas envie de crever. Comment on s'accroupit déjà comme ça? Je vais prendre un remède. Voilà. D'accord, il est à côté de la cheminée. Lui, je l'ai vu. Putain. Voilà. Ressors-toi. Putain. Voilà, c'est bon. Et il en reste plus qu'un qui est là-bas. Pire sniper du monde, quoi. Théon, vide auto, semi-auto ou libre, quoi? J'ai pas compris. Il est beurré, lui. Ah! Visée auto, semi-auto ou libre, je dois être semi-auto parce qu'en fait, je peux viser librement. Et si j'appuie rapidement, ça vise automatiquement. Donc ça doit être du semi-auto, mais je savais pas qu'il y avait d'autres modes en fait. Enfin, si c'est réglable sur le jeu. Come on! Right, to the station! I'm not staying in this place a minute longer! Alors je parle pas trop fort parce qu'il y a mon voisin du dessus qui vient de tambouriner juste avant là, parce que sûrement que j'ai dû parler fort ou Kiwi derrière a dû rigoler un peu fort, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, j'ai un con qui habite au dessus donc c'est comme ça. On va éviter de trop gueuler pour pas faire venir les flics. Ouais, c'est la semi. Mais ça se règle, on peut mettre genre, on peut l'enlever la visée, on peut mettre vis automatique et tout quoi, c'est ça? Je savais même pas, tu vois, moi j'ai déjà fini le jeu une fois, mais je savais même pas que ça se réglait, quoi. Je pensais que c'était comme ça par défaut. Enfin, que c'était comme ça, mais qu'on pouvait pas le changer, quoi. À 22h50, un voisin qui tambourine. Ah ouais, non, mais laisse tomber, c'est... En fait, dès qu'on passe 22h, après 22h, genre même 22h20, hein, si on parle un peu trop fort ou qu'on rigole, ça gueule au-dessus, quoi. Oui, c'est réglable, j'avais aussi la semi. Alors, attends, je vais lire après.
Alors oui, c'est réglable, j'avais la semi, c'est celle par défaut, la visée libre à la manette. C'est pour les vrais. J'ai pas vu non plus dans le menu. Et même le vendredi, le samedi soir, des fois, de temps en temps, on invite des potes et ça gueule. Oui, c'est vrai. Oh putain, il y a des ours. Ah bah je ne savais pas que du coup la visée se réglait. Bah écoute, en fait, moi autant sur les FPS ça me dérange pas du tout. Enfin je veux dire, je gère sur un FPS, autant sur un TPS, surtout sur Red Dead. J'essaye souvent de viser en manuel, mais je t'avoue que dans les fusillades je galère pas mal des fois. C'est pas toujours très précis, donc je préfère laisser le semi-auto. Enfin, j'ai pas vraiment le challenge de viser les mecs dans Red Dead, c'est plus pour l'ambiance du jeu, tout ça en fait quoi. C'est, je veux dire, si je veux un jeu où je vise, je joue à un FPS quoi du coup. Ou à Gears of War si je veux jouer à un TPS. Mais... Voilà. Mais je savais pas, du coup tu m'as appris quelque chose, c'est cool, merci. La clope au bec. Alors, du coup, non, avant que mon cheval il arrive, en fait, je vais faire un. On peut pas genre dormir ici? Et si, on peut dormir, on peut l'acheter cette baraque, je crois. Pareil, la semi-auto est très bien. Sinon, c'est vraiment plus dur après. Il y a le bullet time, ouais, c'est vrai. Le bullet time. Allez, on l'achète. Ah ouais, il y a pire que vous comme voisin, je pense. C'est pas ambiance de boîte de nuit à 4h du matin avec 36 bières. Non, surtout quand on invite des amis, c'est genre Thierry et Requin, quoi. Et c'est... Enfin voilà, quoi, je veux dire, on joue à la console jusqu'à 1h du mat, 2h du mat. Des fois, on rigole un peu, mais voilà, on est 4 dans l'appartement, quoi. Au maximum, les plus grosses fois, on était 5, mais c'était vraiment le maximum, quoi. Donc franchement... Et puis, on fait toujours ça que le vendredi soir ou le samedi soir, quoi. Quand c'est en semaine... Dès qu'on passe 23h, on fait plus de bruit du tout, quoi. Enfin, on fait vraiment doucement, parce que sinon, on sait que... Enfin, on respecte le voisinage, quand même, faut pas déconner. Mais, voilà. Là, il abuse un peu, quoi. Ouais, c'est clair, j'ai hâte d'avoir une maison. J'espère que j'aurai toujours une bonne connexion quand on aura une maison, que je pourrai vous faire des streams, parce que... Si j'ai un ADSL tout pourri, ça va être difficile. Voilà, les joies du voisinage. Qu'est-ce qu'il fait ce mec? Il erre comme ça, sans but. Ok. C'est pas grave. Une bicoque dans Red Dead. Ah ouais, c'est clair que là t'es au calme. Hein. T'achètes la baraque ici, là. Pénard, hein, y a rien autour quoi. Mais encore ça va, je me plains pas non plus trop de voisins. Il y a lui qui est un peu con au-dessus. Mais avant on avait des voisins juste à côté, genre l'appart juste à côté de chez nous. Enfin on en a toujours maintenant, mais maintenant c'est des gens cool. Enfin, c'est une mère avec deux enfants donc on n'a pas à se plaindre. Mais avant c'était genre... on avait genre Matt Pokora, vous voyez, en face de chez nous, avec un vis-à-vis en plus. Le mec il se baladait tout le temps à poil chez lui, enfin c'était sympa quoi. Et puis le voisin qui tamponnait la voisine une nuit sur deux à 4h du mat. Mais c'était genre ça gueulait mode film porno juste à côté de chez nous et le mur juste derrière notre chambre, vous voyez. Genre ça faisait boum 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 contre le mur, ça résonnait et elle a gueulé comme dans un film porno. Et ça durait 2 heures et c'était super sympa de se faire réveiller comme ça toutes les nuits alors qu'on allait bosser le lendemain. Enfin qu'on avait nos études quoi, on avait cours quoi. Donc c'était très agréable. On ne s'en lassait pas. Pour vous dire. On avait des cernes de 3 cm, on dormait plus, c'était cool. Ouais, voisin super charmant quoi.
pleasant surprise, Mr. Marston. An informant just told us some interesting news. Our mutual friend, Mr. Vanderlyn, is about to pay call on his bank manager. What do you say to having a little financial discussion with the fellow? This way. Rendez-moi ma femme. Let's get up on the roof. We'll have a clear shot at them from there. Ah mais oui, mais je parlais pas de toi, je parlais dans le jeu. Je parlais au nom de John Marston, quoi. Tu le sais bien. Fais pas ta nouille non plus. Alors. Genre on va forcer la mairie ou le poste de police, je sais pas ce que c'est. Normal, quoi. Opération d'assaut, quoi. Ah, c'est la banque? Oh, je sais pas ce que c'est. Putain! Concentration. Ils vont pas aller bien loin. Marston, head into the bank with Hopkins and Manny. Get Dutch. Be careful. T'es bien avancé dans le jeu. Ouais, je suis bien avancé, je suis vers la fin là, on est aux trois quarts du jeu quoi. Bah j'ai fait pas mal de stream dessus, on a fait tout en live. Hein. Come on, let's get in there. Faut que j'aille voir combien il coûte le fusil qui fait les explosions là. Dont je vous ai parlé. Oh putain, ce que j'ai pris cher. Ah la vache. Je suis allé un peu en mode bourrin aussi. Let's move. They'll cover the windows from up top. Shoot the lock off that door! Damnation! They'll turn him back now. Move in! Keep an eye out for civilians! You're gonna lose! You know why? Putain! Je vais y aller en mode beau gosse et... On ne voit plus du tout Bonnie, ce personnage disparaît complètement au fur et à mesure du jeu. Ça avance alors qu'au départ elle est constamment sur notre dos. Ouais en fait c'est vraiment, elle est là que sur la première partie du jeu quoi. Marston, shoot the door open. Let's go. Watch out for hostages. Ah d'accord, il est là.